On n'a pas tendance à dire que c'est mieux que Chantaco, c'est juste différent, clairement le design est différent. Là on a tout le temps les pieds à plat déjà, donc c'est ça qui change. Et puis les greens, il y en a quelques greens ici qui sont très très grands. Je ne me souviens pas trop des greens très grands à Chantaco. Bon, c'est un super parcours de golf ici au Médoc. Mathieu Pavon m'en avait beaucoup parlé, il me disait que c'était vraiment un super centre d'entraînement. Et c'est vrai qu'en venant ici, je me rends compte que là, le week-end dernier, j'ai pu jouer le château, donc le parcours sur lequel on joue l'Open, qui est vraiment génial. C'est plus un parcours avec des mises en jeu où il va falloir mettre des bons drives. Parce qu'après le deuxième coup, on a pas mal de faire 4, faire 5 hybrides pour les greens. Bon, c'est différent, Chantaco était quand même assez sélectif, les attaques de green devaient être très précises pour pouvoir faire pas mal de birdies. Éviter quand même les chips autour des greens était quand même assez compliqué. C'est un super parcours, il est en super condition, les greens sont vraiment parfaits, ça roule très très pur. Donc, voilà, une bonne vitesse et voilà, le parcours en général, c'est un réel plaisir de pouvoir le jouer ici.